bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis à une convention et je ne suis pas là en tant que spectatrice. J'ai mon propre stand. Je vais y vendre des choses importées du Japon durant mes vlogs précédents, ainsi que des baguettes magiques sculptées à la main. Peut-être deviné ou peut-être pas, je suis en cosplay de Bellatrix Lestrange. Je quitte un peu mon stand lors de cette convention car j'ai aussi fait partie des membres du jury pour le concours de cosplay. Le concours est maintenant terminé, nous avons même déjà délibéré et nous irons annoncer les résultats prochainement. Victoire! Alors attention, on n'est pas arrivé? On est arrivé! Est-ce qu'on peut lire la joie sur ce visage? Moral de l'histoire, sur cette pêche aux bonbons, faut jamais lâcher. Je suis l'Avenger, ça me trousse! Je les ai eus! Bon, j'ai le poteau Adri qui m'a rejoint à la Maxime Geek et on va se faire une petite partie de Street Fighter. Allez, c'est parti, on va choisir un petit univers. Je te laisse décider, vas-y. Underground. Allez, Underground. Camille ? Tranquille. Est-ce que je prends Camille ? Bah ouais. Disons que c'est mon cosplay de Street Fighter. Allez, va pour Chun-Li. Contre qui ? Balrog. Allez, ok. Du muscle là-dedans. Chun-Li et son Kung Fu. C'est pas... Ok, d'accord. La tricheuse. Oh. Ah, j'ai l'habitude de Tekken, moi. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Hein. Ah ouais, la mobilité n'est pas la même hein, sur Tekken. J'ai esquivé, mais... Ah, j'ai jamais joué au 5, je crois. C'est vrai, celui-ci, j'ai jamais fait. Il est bien fait, par contre. Ah, il est bien fait, ouais. Bien joué, ça. Kryo. Mais ce n'est que le premier round. Ah, c'est parce que c'est une fille, je la laisse gagner, c'est pour ça. Ah, ah, une fille aux grosses jambes, bon gros cuisseau. Ça, on aime bien, ça. Elle est costaud, lui, aussi, Balrog. Ah ouais, les deux, là, ils font la paire, hein. Mmh. Ah non, j'allais faire mon hélicoptère, quoi, j'hallucine. Ah, le mec, il m'a pas laissé faire mon hélico, quoi. Ah, il m'enchaîne, hein. Ah, tu m'as énervé, là. Oh là, il m'a enchaîné. Ah ouais, là, c'est fini. J'arrive même plus à en placer une. En plus, franchement, c'était très propre ce que t'as fait. Bien joué. Bien joué. Voilà. Je sais pas ce que c'est ces jauges en bas là. Elles étaient remplies. Je crois que c'est pour faire Elles ton... sont vidées maintenant. Je crois que c'est pour faire ton ultime, il me semble. Ouais, je pense aussi. Le problème, c'est que je sais pas ce que c'est les touches pour l'ultime. Une petite claque, j'aimerais bien te remettre une petite claque. En fait, il faut varier les niveaux. Ah, je dis ça, je me fais déboîter. En bas, en haut, en bas, au-dessus, au milieu. Oh, putain, tu m'as chopé. On peut dire que c'est franchement serré quoi. Bien joué, Priscilla. Merci. Bien joué à toi aussi. Jenny, elle a gagné. Je suis en compagnie de Captain America. On va se faire un bol de ramen. De ramen. C'est un petit jeu particulier où il faut attraper les petits ingrédients, les jeter dans son bol. Et lui veut faire pareil. Celui qui est le plus rapide, il aura gagné. Il aura gagné quoi, je ne sais pas, mais il aura gagné. Ouais. Bon, t'as gagné, c'est vrai. C'est à l'usure. Bien joué. Bon, bah, il a un meilleur jeu de baguette que le mien. J'espère en avoir un meilleur avec celle-ci. Hein. Voilà. Toujours sur la Maxime Geek Universe, je voudrais avoir la présentation de l'auteur Bellezia. Alors l'auteur Guillaume, donc l'auteur de Bellezia, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est ce qu'on appelle de l'heroic fantasy, donc ça se passe dans un autre univers avec un mélange entre l'épopée, la magie, l'aventure, le combat et les émotions. Donc après, bah, moi de mon côté je dessine pas mal, je fais pas mal de personnages, plus dans le fantasy aussi. Fantasy, fantastique. Fantastique, voilà, plus mythologie, voilà. T'as un petit dessin que tu as gribouillé aujourd'hui ou pas du tout? J'ai créé un dessin. Super sympa ça, hein. Eh bien, bonne continuation à vous. Bah, merci beaucoup, voilà, et puis merci de nous avoir interviewés et ça fait toujours plaisir. Voulez-vous nous plonger un petit peu dans l'univers de vos livres? Eh bien, je commencerai en posant une question très simple. Comment est-ce que vous réagiriez, vous, si un jour tout ce qu'on vous expliquait comme étant un mythe, une légende, un conte, s'avérait en réalité être vrai? Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai.
Mais là, tellement vrai que ça pourrait vous tuer. Du moins, c'est le postulat de base du roman. Et c'est là-dedans que vous me plongez tous les protagonistes. Au début, sans s'en rendre compte. Et puis, au bout d'un moment, ça va leur arriver clairement dans la face. Et ils vont devoir vivre avec. Et surtout, composer avec tout ce que ça implique. Y a-t-il un temps, une période ? Ah oui, ça se passe l'année prochaine. En 2020. En 2020, c'est bien. À quoi ressemblera notre futur dans un an ? La cité de Kiliana, c'est de l'urban fantasy, avec de l'action, de la magie, de la romance, de l'humour cocasse. Ça raconte l'histoire de Kiliana qui est dans la guilde des Amazones. Alors c'est un petit peu touche à tout, hein, c'est mercenariat, espionnage. Et elle va se rendre compte en fait que son passé n'est pas tel qu'elle l'imaginait et que sa guilde lui a caché pas mal de choses. Donc elle va chercher le vrai du faux et se venger sur les bords. Et elle va bien se manger, j'espère. Ouais. Ça va saigner. Voilà. Ici, on a une série de urban fantastique. C'est le monde d'aujourd'hui, mais avec de la magie. Sauf qu'elle est un petit peu capricieuse, donc c'est une fois la magie fonctionne, une fois c'est la technologie. On sait jamais quand l'une va remplacer l'autre. On a une partie de la population qui a été transformée, qui a acquis un don ou une malédiction, ça dépend les points de vue. Donc certains d'entre eux peuvent se transformer en métamorphes. Sauf que ils sont la cible de beaucoup de préjugés, comme quoi ils sont dangereux. Et notre héros, qui est à l'université, il pense que c'est des gens comme toi et moi, mais bon, avec un peu plus de poils. Sauf que pour s'en sortir en un seul morceau, il va devoir mener une enquête. Pas mal du tout. Est-ce que vous avez un petit peu l'eau à la bouche ? Vous avez envie de lire tout ça ? Où est-ce qu'on peut retrouver ? Alors sur Amazon, principalement, ou sur la FNAC et autres réseaux habituels. Ah ben merci beaucoup. Merci à toi. J'ai trouvé mon Morty. Si on peut confectionner soi-même son sac yokai. On vous met à disposition le petit sac en toile et à l'aide de pochoirs et de la peinture, on peut le personnaliser. Le monde selon Rick, ça doit être folklorique. Cette convention, c'est seulement sa deuxième édition. Alors patience autant que l'événement se fasse connaître les années suivantes. Je nous emmène sur un stand que j'affectionne particulièrement parce que je suis une grande fan de Lego dans ma jeunesse. Mais qui ne l'a pas été parmi vous ? Et je vois en plus qu'il y a du Star Wars. Ça, c'est un R2-D2 très coloré. Mais il y a le pouvoir de la force ici. Hop là. Salut. Et salut. Alors je vois que sur ton stand, il y a du bijou très celte, on dirait, non ? Celte, viking. Viking, celte. Des balles fantastiques aussi. Un petit peu d'Harry Potter aussi. Ah oui ? Ouais, on est des grands fans d'Harry Potter. On est en train d'organiser un festival sur Harry Potter. Ah bah c'est intéressant. Le Lumos Maxima Festival, ouais. D'accord. Qui aura lieu le 19 et 20 septembre 2020. Où ça ? Vers Avignon, à Châteauneuf-de-Gardanne. D'accord. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout sur le stand Dream, ouais. Voilà. Ah bah une petite présentation rapide, je vais faire le tour du stand, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Ah oui, ça c'est le bracelet de viking ça. C'est quand tu deviens un guerrier ça. Ma petite pine, comment tu vas ? Ça va, plus de face. Des bisous. Donne la patte. Donne la patte. Là, il fait bien. Bien le bonjour. Peux-tu me présenter ton stand ? Eh bien, nous sommes ici de l'autre côté de la vie, donc dans le royaume de la mort, où je vais joyeusement chercher les gens au crépuscule de leur vie, parce que c'est mon métier. Voilà. C'est un métier pas facile, mais c'est nécessaire. Il faut le faire, sinon. Vous êtes ici dans le monde de Ephemera, un univers poétiquement drôle, et en même temps pas tellement, parce que la mort, c'est pas si drôle que ça. Moi, je trouve ça drôle, la mort. Moi je trouve ça pas mal, je trouve ça pas piqué des hannetons, d'autant plus que les humains sont des gens assez curieux, avec des expressions assez curieuses, des mœurs assez curieuses, et ils sont drôles. À leur dépend, c'est très drôle. Si on les envoyait tous vers la mort. Alors là ça ferait beaucoup de boulot. Je pense que c'est la quête de toute ma vie. Ouais, moi ça me fait vraiment beaucoup de boulot.
je suis un peu charrette là. Moi je m'occupe pas des moldus, hein. J'ai rien à voir. Quel est le projet d'Ephemera et où est-ce qu'on peut joindre? Ephemera, c'est une web série disponible sur YouTube gratuitement. 21 épisodes, ça fait des heures de bonus facile. À regarder avec un bon whisky, si possible. Tous sur Ephemera. Abonnez-vous et mettez un grand j'aime. De la mort. Et on va aller visiter maintenant l'extérieur de cette Maxime Geek Universe. On peut voir qu'il y a une énorme borne, enfin plusieurs bornes d'arcade posées ici. On a du Pac-Man, on a du Street Fighter encore. On a plein de petits jeux que je ne connais même pas. Ah, il y a même du Mario Kart. Regardez. Excellent. Je vais devoir faire un airsoft différent. C'est un archery game. Un archery game. Donc c'est avec des arcs. Regardez, je vous montre tout de suite. Une belle protection hein, pour pas se prendre en pleine face. Et en fait, faut se tirer dessus comme des lapins. On va aller à la chasse. Voici Bellatrix en Hunger Game. Tire en cloche. Oui, bien joué. Je viens de capter un truc. Quand il est éliminé, faut taper les ronds pour les rentrer. Mais nous, on doit taper les ronds. Je croyais qu'eux, ils devaient, pendant qu'ils étaient dehors, ils devaient essayer de viser les ronds. Je suis en train de me dire merde, mais... En fait, j'ai rien capté depuis le départ, quoi. Voilà, quoi. En tout cas, j'ai quand même gagné. Allez, après le tir à l'arc, je vais maintenant m'essayer sur le sabre laser en mode VR. Bon, vous êtes prêts pour voir... Ah bah déjà, je suis jolie comme ça, non? Un masque. On dirait que je suis un masque de nuit. Je vais être ridicule, c'est parti. C'est mieux sur tes yeux. Non, je pensais déjà que c'est très dur et c'est vrai que c'est... Faut juste s'habituer. La force en moi pour ce duel. Il était en face de moi durant toute cette convention. On se faisait des petits clins d'œil. Tu veux un café? Tu veux pas de café? Petit gâteau, pas de gâteau.
Darylin Atelier. Il vous fait des superbes créations décoratives. Donc c'est style scandinave, viking. D'ailleurs, des bols, des composants. Le vendeur à la tête de l'emploi, si je puis dire. Des baguettes magiques. Eh bien, cette convention touche maintenant à sa fin. Je vais maintenant vous laisser en compagnie de mon acolyte. Je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Priksim cet été. Salut !